Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. Dans le précédent épisode, nous avions tué Edelgard, mais non, mais pourquoi? Donc je ne vous pose pas la question si vous allez bien, parce que vous êtes forcément comme moi dévasté par cette nouvelle. Mais le jeu nous force à chaque fois à la tuer ou à être avec elle, quoi. On n'aura pas la réunion des personnages, alors peut-être, j'espère en tout cas, que dans Three Hopes, nous pourrons jouer avec finalement Edelgard, Claude et Dimitri aux côtés de Byleth, quoi. Bon, et probablement du nouveau personnage dont j'ai déjà oublié le nom. Mais j'espère qu'en tout cas, on ne sera pas toujours que contre. Enfin, qu'on ne sera pas contre Byleth, quoi, finalement. Même si peut-être qu'elle tombe dans un contrôle du démon, je sais plus quoi, là. On verra bien, en tout cas, en juin. Enfin, fin juin, donc ça devrait sortir pour moi début juillet. Je sais pas exactement quand est-ce que je pourrais commencer à tourner. Mais en tout cas, fin juin, début juillet, ça devrait pouvoir être possible. Claude a atteint sa motivation maximale. 140 heures sur ce fichier. Mais j'ai pas fait que du New Game Plus, donc c'est plus que cela. C'en est fini. Et si nous avons réussi à la vaincre, c'est uniquement grâce à vous. En tout cas, elle ne s'est pas transformée en horrible démon monstrueux, en bête noire, je sais pas quoi. Donc on va dire qu'elle a gardé un minimum de raison. Ouais, bah en tout cas, c'est une victoire au goût amer. Ce n'est pas la conclusion idéale. Même moi, je... Non, ce n'est rien. Ça n'a plus d'importance. L'important, c'est que nous avons gagné. Un général impérial m'a demandé de te remettre cette lettre, petit. Une lettre? Voyons voir. Elle semble provenir d'Hubert, le vassal d'Edelgard. Quand elle jouait avec Dimitri, Hubert l'avait amené lui-même, non? Je ne sais plus. Si vous recevez cette lettre, c'est que je suis mort. Sa Majesté n'accepterait jamais de se rendre, aussi je ne peux que supposer qu'elle a également péri. Cette pensée me chagrine profondément. Cela dit, il me faut bien vous demander, en tant que survivant, de régler certaines affaires à notre place. Vous devez détruire la menace des serpents des ténèbres. C'est encore la serpent des ténèbres? Vous n'avez sûrement pas oublié Monica et Thomas. Sachez que leurs alliés sont encore en vie. Ils nourrissent une profonde rancœur envers les enfants de la déesse et les peuples de ce monde et guettent une occasion de prendre leur revanche. Ça, je comprends pas. Pourquoi Edelgard et Hubert, qui veulent les détruire, ces serpents des ténèbres, ne se sont pas rangés à nos côtés, quoi. Ils attendent de crever pour nous demander de l'aide, c'est complètement con. Ça m'énerve. Si vous les laissez agir à leur guise, il est certain qu'ils feront s'abattre souffrance et chaos sur le monde. J'ai perçu leur sortilège quand vous avez pris le fort Mercius. J'en ai déduit l'emplacement de leur bastion Shambhala que je joins à cette lettre. Il est indiscutable que ce sont des ennemis à deux feux de lance. Veillez à ne jamais l'oublier. Pour finir, même si je ne puis affirmer qu'elle soit en bonne santé, l'archevêque est enfermé dans une salle secrète du palais impérial. J'ai indiqué l'emplacement de l'accès à cette salle secrète à la personne à qui j'ai confié cette lettre. Je suis persuadé que Sa Majesté remportera la victoire, mais malgré ma confiance, je dois aussi dresser des plans en cas de défaite. Si vous voulez gouverner ce monde, je vous mets au défi de dépasser par vos actes mon estime pour vous. C'est votre obligation en tant que vainqueur, mais aussi un hommage au sacrifice de Dame Edelgard. Hubert, laissez une telle lettre en testament. Vous étiez plus grand homme que je ne le pensais. Rhea est donc toujours en vie, mais notre combat n'est pas encore terminé. Je suis un peu déçu si c'est aussi les serpents des ténèbres, parce que c'est l'ennemi finalement que nous avons affronté dans ma toute première partie où j'étais finalement avec Edelgard mais contre elle, donc ouais, ça paraît, c'est dommage du coup. Les serpents des ténèbres, il semblerait que Fodlan ne retrouvera pas la paix tant que nous les aurons pas vaincus, parce que avec Dimitri c'était pas ça justement. Ouais. Bon, on va voir la suite. Les alliés de Monica et Thomas, hein. Ma foi, nous étions déjà au courant de leur existence. On peut sans trop de risques considérer qu'il s'agit du même groupe qui a déjà utilisé Lysicia pour des expérimentations sanguines, et Edelgard du coup. Et ce sont d'ailleurs eux qui sont responsables de ces épieux de lumière qui ont détruit le fort. Mais qui sont donc ces enfants de la déesse envers lesquels ils sont censés éprouver du ressentiment? Il nous manque des informations là. Je ne crois pas qu'on puisse penser que tout cela n'est qu'un canular de sa part. Si c'est le cas, waouh. Il m'a bien eu. Hubert, plutôt que de vous embêter à nous écrire une lettre, pourquoi ne pas être juste venu nous voir avant que nous nous affrontions? Allons le demander à Rhea. Oui, vous avez raison. Après tout, nous ne savons pas encore si cette lettre nous dit la vérité. Allons le découvrir tout de suite.
Ouais. Alors peut-être ça va être une autre confrontation, mais ça parle de Shambhala et tout. Vous êtes venu à ma rescousse. Oula, elle a une triste mine, la dame. Je me rappelais plus de cette image. Suis-je en train de rêver? J'ai tant espéré vous revoir tout ce temps. Est-ce réellement vous? Je me rappelle plus du tout de cet endroit. Claude, je vois que vous êtes devenu un jeune homme sérieux. Merci d'avoir soutenu le professeur et de m'avoir délivré. Il est sûr que la protection de la déesse... Attendez, Rhea. Que savez-vous des enfants de la déesse? Les enfants de... Que cela veut-il dire? Pardonnez mon impertinence. Voyez-vous, un des impériaux nous a confié quelques informations. Je sais que ce doit être douloureux pour vous de subir un tel interrogatoire de notre part après cette éprouvante captivité. Mais nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir vaincre un groupe occulte, les Serpents des Ténèbres. Les connaissez-vous? Les Serpents des Ténèbres. Apparemment, ils haïssent les enfants de la déesse et les peuples de ce monde en projetant quelque chose de grave, quelque chose de monstrueux. Ils utilisent du sang dans leur terrible rituel de magie et sont capables de faire s'abattre des épieux de lumière à même d'anéantir des forteresses. Si cela vous évoque quoi que ce soit, je vous prie de nous le dire. Nous devons en savoir autant que possible sur ces ennemis pour les arrêter. Elle n'a pas l'air de... Nous avons atteint un moment critique qui va déterminer si Faudelan chutera ou non. Ne voyez-vous pas que le temps des secrets est révolu? Et oui, Cyros, il est vrai qu'un grand de gens qui se meuvent dans les ténèbres menacent la paix de Faudelan depuis des temps immémoriaux. Je suis sûr que vous avez déjà entendu les histoires qui courent à propos d'un homme appelé Némésis. Ah, ça me dit rien du tout, ça. Il me semble pas qu'avec que j'avais eu ça justement dans la fois d'avant. Bon, s'il y a des changements, ça me va. Si c'est les serpents des ténèbres, mais bah c'est les deux. Bah là, ça c'est nous, le roi de la libération. Némésis, le roi de la libération, le héros auquel la déesse a remis l'épée du créateur. Némésis était à l'origine le chef d'un groupe de brigands. Il a pillé la tombe sacrée et volé les reliques de la divine ancêtre. Quand Némésis est apparu à Xanado, peu de temps après, l'épée du créateur était déjà en sa possession. À Xanado. Xanado, le canyon rouge. J'ignore comment Némésis a obtenu l'épée et pourquoi il est apparu à Xanado. Mais cette épée à la main, il en a massacré les habitants, les enfants de la divine ancêtre. Il a puisé dans leurs cadavres une puissance encore plus grande et a propagé la guerre en Faudelan. Cinématique de tout début du jeu, évidemment. Ce n'est pas du tout ce que racontent les légendes que nous connaissons sur Némésis. Un simple brigand comme Némésis aurait été bien incapable d'accomplir quelque chose d'aussi monstrueux à lui seul. Ah ah, Némésis avait donc des complices. Et ses complices devaient être les Serpents des Ténèbres. Ils ont manipulé Némésis. Et cette fois-ci, ils ont utilisé l'armée impériale pour faire éclater la guerre en Faudelan. Je comprends enfin. J'ai même idée de ce qui a poussé Edelgard à s'associer avec eux. Ils cherchaient à manipuler l'Empire tout autant que l'Empire essayait de les manipuler. Rhea, j'ai encore une montagne de questions à vous poser et je n'y manquerai pas. Mais restons-en là pour aujourd'hui. Vous devez être faible après cette si longue captivité. Je vous en prie, reposez-vous. Mon ami, préparons-nous pour la bataille. Nous devons frapper Shambhala dans les plus brefs délais. Ne laissez pas l'histoire sanglante de Faudelan, la tragédie du Canyon Rouge, se répéter. Ok, si c'est les Serpents des Ténèbres mais que c'est différent, ça me va. Je réalise à l'instant que Rhea ne nous a pas répondu à propos des enfants de la déesse. S'agit-il pas des habitants de Xanado? Elle a en effet dit que les habitants du Canyon Rouge étaient les enfants de la divine ancêtre, alors vous devez avoir raison. Mais les vils serpents continuent à ourdir leur revanche même après la tragédie du Canyon Rouge. Cela voudrait-il dire que certains des enfants de la déesse ou leurs descendants sont toujours en vie? Rhea? Peut-être Flayne? Peut-être même Byleth? Rhea peut-être, Flayne peut-être, moi peut-être. Ah bah... Lol. Est-ce que je viens pas dire les trois? Descendant. Ça, c'est un peu pompeux de se dire moi. Flayne. En vrai, les trois. Je peux pas mettre les trois auto-select. Descendant. Ouais, c'est peut-être erreur. Hein. Ce serait possible. Elle a parlé de Xanado comme si elle avait vécu ces événements en personne. Ouais, on sait que c'est Cyros, non? Mais que sont ces enfants au juste? Et qu'ont-ils à voir avec la déesse? Bah, j'ai à nouveau failli sombrer dans le marécage insondable de mes pensées. Moi qui pensais qu'une fois l'Empire vaincu, je pourrais enfin admirer la vision à laquelle j'aspire. Quelle vision s'agit-il? Je vous ai déjà parlé de mon rêve, n'est-ce pas? J'ai l'intention d'abattre les murailles isolant Faudelan du monde extérieur. Ma vision d'avenir s'étend au-delà, même si c'est comme tout un but banal. C'est somme toute, pardon.
Simplement des villes pleines de vie, des peuples vivant en harmonie, partageant parfois les rires, parfois les querelles. Mais dans ma vision, il n'y a pas que des citoyens de Faudelan, il y a les gens de Dagda, de Brigide, et même de Duskur et de Sringe. Et le Sringe, on va faire une petite picouse. C'est que des pays qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup, hein. Est-ce que dans Three Hopes, on ira? On verra bien, mais je pense pas. Il pourrait aussi y avoir des personnes originaires d'Almira ou des pays situés encore plus loin à l'est. Tous ces peuples vivant ensemble comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Voilà la vision que j'aspire à admirer un jour. Une vision simple, mais encore si inaccessible. Mais ce n'est pas le moment de se lamenter. Nous devons nous concentrer sur la prise de Shambhala. Dépêchons-nous de rassembler tout le monde. Bien, allons-y. Allons-y, mon cher Claude. Shambhala, nous voilà. Le retour. Pam, 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 pam. Alors, insinues-tu que Faudelan sombrera si nous laissons ces gens agir à leur guise? Si cette carte est fiable, leur base est juste au sud du territoire de ma famille. Cette histoire me semble quelque peu rocambolesque, cependant... Quelque chose me dit que c'est la vérité. Vous souvenez-vous de Monica qui a tué Geralt et ce vieil homme qui se faisait passer pour Thomas? Ils étaient leurs alliés, et l'empereur des flammes comme le chevalier macabre n'étaient que de simples pions dans leur jeu. Les individus qui convoitaient mon sang, ce sont les mêmes qui m'ont utilisé pour mener leurs expérimentations sanguines. Oui, aussi répugnant que cela paraisse, ils semblent beaucoup utiliser le sang de leurs techniques secrètes. Ouais, c'est dégoûtant. Je ne pourrais jamais m'entendre avec des gens pareils. Je suis persuadé qu'ils sont également à l'origine des épieux de lumière qui ont détruit le fort Merceus. Un instant, petit. Crois-tu vraiment que nous puissions vaincre des ennemis aussi puissants? Je ne sais pas, mais nous devons l'essayer, n'est-ce pas? Nous devons nous battre pour l'avenir de Faudelan. C'est notre responsabilité en tant que vainqueur. Nous devons nous battre pour l'avenir de Faudelan. Nous entreprenons là un défi énorme. Je me demande si l'histoire retiendra nos noms. Ouais, probablement. Mon nom, celui d'un héros, transmis aux générations futures, ma foi, c'est une belle cause. Ils ont tenté d'utiliser l'armée impériale pour plonger Faudelan dans la guerre, mais nous avons étouffé leur projet dans l'œuf. À présent, il nous reste à extirper la racine du mal, et je nous en sais capable. Allez. Ça me va. Partons sur ça. Post-combat, le terrain a souvent une influence sur les caractéristiques des unités. Par exemple, on est au courant. Vent émeraude, la céruléenne, la cité des ténèbres. La cité sans lumière, ouais, la cité des ténèbres, ça va. Ça me va. Alors qu'elle vient de renverser Edelgard, l'armée de l'Alliance découvre l'existence d'un groupe secret qui tirait dans l'ombre les ficelles de l'Empire. Claude craint que si leur véritable ennemi n'est pas neutralisé, le malheur s'abattra sur Faudelan. Il met un terme aux célébrations et mène aussitôt ses troupes vers Shambhala, le repère de l'ennemi. Direct à Shambhala, sans passer par la case monastère? Si, quand même. Faut qu'on puisse faire un peu de jardinage, qu'on puisse parler à tout le monde. Un quartier libre, tout ça, tout ça. Probablement l'un des derniers, hein. Là, il y a une odeur de faim. Céruléenne, je ne sais plus quel mois on commence à chaque fois. Parce que je sais que c'est du coup 2 ans qu'on fait. En termes de mois. Mais on n'est pas loin de la fin, je pense. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Ces épieux de lumière, ils ont tenté de nous éliminer au fort Merceus, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, pourquoi ne les ont-ils pas fait s'abattre sur Garrigue Mac? Ils doivent être au fait de notre présence ici depuis longtemps. Leur raison n'est pas qu'ils se sont abstenus d'agir, mais qu'ils en étaient incapables. Rhea, comment vous portez-vous? Suffisamment bien. Je ne peux pas me permettre de me prélasser alors que Faudelan est en danger. Pourquoi ne peuvent-ils faire s'abattre leurs épieux de lumière ici? Il y a bien longtemps, une sphère de lumière gigantesque menaçait de s'abattre sur ce menacer. Elle a cependant mystérieusement dévié sa trajectoire et s'est écrasée sur Aelel. Aelel, la vallée du tourment? Alors, c'est ce genre de dégâts que font les épis de lumière.
La tombe sacrée qui protège le sommeil éternel de la divine ancêtre est également une nef sanctifiée renfermant le pouvoir de repousser le mal. La divine ancêtre reconstruit elle-même la tombe sacrée pour préserver ses enfants de cette lumière maudite. Les enfants de la déesse se seraient donc rassemblés à Xanadu en raison de sa proximité avec le monastère. Nous avons pourtant combattu plusieurs fois en des lieux relativement distants du monastère. Pourtant, les épées de lumière ne sont abattues que sur le fort Merceus. Dans sa lettre, Hubert a précisé qu'il avait ressenti leur magie dans l'or de la chute du fort. En d'autres termes, c'est parce qu'ils ont utilisé ces épées de lumière qu'Hubert a pu localiser leur base. Ils n'ont donc pas utilisé jusqu'ici pour éviter qu'on découvre leur repère. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas l'air de pouvoir utiliser ces épées de lumière quand bon leur semble. S'ils se sont décidés à en lancer un sur Merceus, c'est probablement par certitude que nous péririons tous. Si nous avons réchappé, c'est uniquement grâce aux tocades du chevalier macabre. En effet. Et depuis lors, il n'y a plus eu aucun épieu de lumière. Il est possible que l'ennemi ignore que nous avons été capables de localiser leur base. Si tel est le cas, ils ne doivent pas être aux aguets. Et le moment serait parfait pour une attaque surprise. Je vais vous accompagner. Quoi? Non, ce serait bien trop dangereux. Votre longue captivité ne vous a-t-elle pas sérieusement affaibli? Ces individus nous défient depuis la nuit des temps. Je voudrais apprendre par moi-même la vérité à leur sujet. Je comprends. Je ne vous en empêcherai pas, mais je vous demande de ne pas vous surmener. Elle sait se défendre, hein, mais j'ai peur que ça se retourne contre nous encore une fois. Nous ignorons ce qui nous attend, mais vous savoir à nos côtés est hautement rassurant. Voilà. Préparons-nous à attaquer Shambhala avant qu'il ne frappe à nouveau. Eh bien, faisons cela. Faisons cela, on a 3 semaines pour se préparer. Sauvegarde automatique en cours. On va aller voir les batailles, s'il y a des batailles à faire. Non, il n'y a vraiment que dalle. Hein. Niveau 40. Shambhala, la ville souterraine. Ok. Est-ce que j'avais des certificats à faire passer? Il me semble que j'en avais un. Mais que je n'avais pas de sceau suprême. Peut-être Yuri. Ah, c'est ça. Mais je... C'est ça, c'est le sceau suprême. Est-ce que je peux en acheter? Mais non, je crois pas. Et oui, non, c'est ça, il faut que j'en achète peut-être au marché noir ou quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une bataille, là? C'est au niveau 40. Je pourrais, hein. Là, ça me donne de l'or, ça me donne des matériaux. C'est encore le lac Totat. On l'a déjà fait 15 fois. On l'a déjà fait 15 fois celle-là. Je fais le quartier lit peut-être dès le début. Il y a peut-être pas mal de soutien. Il y a des soutiens, ouais. Ouais, pas beaucoup, hein. Il y a Linhart et Dorothea et puis c'est tout, quoi. Bon, bah on va le faire et puis... Et puis voilà. Ah, vous voilà. Que faites-vous ici, Limouchou? Êtes-vous venu m'inviter à dîner? Eh bien, oui. Mais auparavant, j'ai quelque chose à vous dire. Je pense avoir insinué qu'il était souhaitable de vivre en échappant à ce problème. Et j'ai manqué de gentillesse à votre égard. Mais de quoi parlez-vous? Pour être tout à fait honnête, j'essaie d'être décontracté, mais quelque chose me perturbe. Lorsqu'on fuit ces problèmes en permanence, on finit par ne plus avoir de refuge nulle part. Et comme j'évite toutes les choses qui me déplaisent, leur nombre n'a de cesse d'augmenter. Je n'ai jamais appris à affronter mes souffrances passées et je ne me suis pas endurci. Et alors? Mais c'est tout. Il m'arrive parfois d'avoir des nuits très désagréables. C'est ça que vous vouliez me dire? Même si vous n'évitez pas vos souffrances, cela ne changerait pas. Vous resteriez éveillé toute la nuit à vous demander ce qui va vous arriver d'autre. Mais merci, Linouchou. J'apprécie que vous vous montriez sous votre vrai visage devant moi. Je ne cache jamais mon vrai visage. Vraiment? Même lors de notre dernière conversation? À quel sujet? Quand vous m'avez dit que j'étais une grande dame, le pensez-vous vraiment? Mais bien sûr, vous avez une bien piètre estime de vous-même. Je pensais que vous essayiez simplement de me remonter le moral. Je ne savais pas que vous pensiez cela de moi, Linouchou. Allez, un petit cœur. Mais est-ce si étrange? Quand je vous l'ai dit, vous aviez l'air plutôt heureuse. Non, ce n'est pas étrange du tout. Enfin, si, un peu quand même. C'est vous qui êtes bizarre, en fait, Linouchou. Tiens, mon appétit s'éveille tout à coup. Je crois bien que j'ai trop rêvé.
Ça tombe bien, j'allais justement vous inviter à dîner. Ah, vraiment? Mais je vous l'ai dit dès mon arrivée. Vous m'avez demandé si j'étais venu vous inviter à dîner, et ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Je ne me sens pas le courage d'aller jusqu'en ville. Voulez-vous aller au réfectoire? Ça me semble plus simple. Comment? Rip. Bon, d'accord. Montrez-moi ce que vous avez fait. Montrez-moi ce que ça fait de vivre de façon décontractée comme vous le faites. Je t'invite au resto, mais enfin la cantoche. Ça te va? Ça casse un peu mes attentes, dirons-nous. Giga Carapace. Ouais, bah attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose là que je peux. Que je peux faire? Sur la fin du jeu. Les activités aux mercenaires perdent un peu de leur sens. Mais bon, c'est logique aussi, hein. Blablabla, connaissez-vous le duché, connaissez-vous blablabla. Un mystérieux pouvoir menaçant à l'avenir de Fodland, il nous faut agir. Aujourd'hui, il n'est plus d'empire, plus de royaume et pas davantage d'alliance. Il n'y a que Fodland qui doit se battre contre un seul homme. La peur n'a pas sa place ici, la victoire constitue notre seule chance de survie. Peut-être aurais-je l'opportunité de porter le coup de grâce au commandant ennemi. Voilà qui m'assure une place confortable dans les chroniques. Aucune chance, t'es pas dans la troupe. Nous avons enfin terrassé l'Empire, mais l'heure n'est pas aux libérations prématurées. Nous devons préparer le prochain combat. Nous savions qu'un groupe secret se cachait derrière l'armée impériale tout ce temps. Nous avons dorénavant l'occasion de prendre l'initiative contre lui, et c'est grâce à Hubert. Nous devons également le salut de Rhea, pour qui j'ai encore beaucoup de questions. Comptez-vous lui parler? Eh bien, si nous tenons à ce qu'elle puisse nous accompagner au combat nouveau, il vaudrait mieux respecter sa convalescence. Ceci dit, le repos est un luxe que seul Rhea peut se permettre actuellement. Tous les autres doivent se concentrer sur la prochaine bataille. Tiens, fais-moi les exercices. Ça servira pour la prochaine fois. Quand prochaine fois il y aura. Vous avez fait un boulot incroyable. William, bonjour professeur. Rien à signaler aujourd'hui. À part que vous avez tous fait un boulot incroyable dans la capitale, bien sûr. J'étais certain que cette bataille sonnerait le glas de la guerre, mais on est encore loin du compte, hein. Absolument, monsieur le garde. Est-ce que Anna. Tout le monde souffre. Il y a des troubles partout ces derniers temps. Aucun de mes collègues marchands ne semble épargné. J'espère que les choses vont bientôt revenir à la normale. Les bonnes affaires sont loin de suffire pour redonner morale aux gens. Ah, il y a une quête. Allez, vas-y. Est-ce que par contre, ta boutique secrète, il n'y aurait pas des sceaux suprêmes? Bah si, voilà. Ah, mais je peux en acheter autant que je veux. J'ai 107 000 thunes! J'ai jamais eu autant! Je suis en mode, mais je peux monter jusqu'à combien, là? Je peux en acheter 35. C'est débile. On va en acheter 4. 107 000. Je suis jamais arrivé jusqu'à autant. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je dois avoir de la thune encore. Ah ouais, non mais j'ai plein de thunes. Ah ouais. Et j'ai des sauts obscurs et tout. Ouais, non mais ouais. Bon. J'ai plein de thunes. Je suis à l'aise financièrement. Marchand du Sud. Avez-vous des choses à m'acheter? Il y a plein de cadeaux. Mais on s'en fout. Come again. Marchand oriental. Ah là, il y a du thé, il y a des pierres d'affûtage. Ah! Il y a des cailloux. Vous savez quoi? Je peux en acheter combien? 104? Je peux en acheter 80. Bon, on va acheter les 95. Voilà. Hop. Et puis là, je vais t'acheter les 84 que tu peux. Non, je vais t'en acheter quoi, 25? Allez, 28, 30. Je sais même pas à quoi. Je sais même plus à quoi ils servent. Mais vous savez, on a des sous. Et on pourrait avoir besoin des matériaux. Forgeron. Hop. Pour renforcer vos armes, tout ça, tout ça. Épée noire plus. Avec de l'argatium. J'ai 10 points de dégâts au porteur après le combat. Ouais, pas très intéressant. Pas très intéressant. On verra plus tard. Hop, besoin d'armes. Welcome. Et ça, toi, tu crées des arcs. Bon. Enfin, tu crées des armes. Ok, come back soon. Je le ferai peut-être. Je préfère réparer au début d'un combat. Soldat. Est-ce qu'on a des gens qu'on peut aller voir au réfectoire? Oui. Hop, hop, hop. Il essaie d'avoir des gens là. Raphaël qui est toujours là. Allez, dodo, petit déj, entraînement, déjeuner, re-entraînement, dîner et re-dodo. On est censé préparer l'assaut, mais ça change pas grand chose à mes habitudes.
Vous en faites déjà beaucoup. Tout cet entraînement et ces festins, je le fais pour Fodlor. Je dois rester fort et bien nourri, si je veux la protéger. Ouais, on va te laisser... on va te laisser tranquillou, hein. Elle est où, Dorothea? Bon, il y a Shamir, là. Nous avons secouru Rhea et l'Empire n'est plus, le royaume n'en est plus pour longtemps. Avec eux disparaissent deux bonnes raisons pour moi de demeurer en Fodland. Je vous en prie, restez encore un peu. Bien sûr, maintenant que j'ai fait tout ça, je veux voir comment ça va se terminer. C'est surtout que... T'es une bonne amie, Shamir. Ça me ferait du mal de devoir partir. Ah, tu es là. Alors, à peine on bat Eddie que la noblesse s'acoquine avec l'Alliance et l'Église. Monsieur Vorien ne pense qu'à eux et à personne d'autre. À part le comte Berglies, l'ancien ministre de la guerre. Il a sacrifié sa vie pour permettre aux soldats et aux officiers d'être épargnés. En entendant ça, je sais pas, ce simple geste d'humanité. C'est sorti tout seul, j'ai éclaté en sanglots. Bah, rip, hein. Alors, on va aller faire la cuisine, peut-être. On va aller le faire avec Bernadetta, tiens. Un truc qui serait pas mal. Gâteau qu'on fait résistance plus 1. C'est bien ça. Allez, vas-y. Hop, je peux passer ou pas? J'ai même pas eu le temps de lire ce qu'elle avait dit. Merde, j'avais pas vu qu'il faisait des... Ajoutons à historique. Et c'est amusant, je vais vous montrer tout mon talent. Ajoutons encore une pincée de mon épice secrète et... ne regardez pas. Mais ne regarde pas, c'est mon épice secrète. Et bien sûr, Bernadetta. Ok, ok. On va aller... on va également aller... lui parler. Et maintenant qu'Edelgard n'est plus là, Fodlan va enfin connaître la paix. Bien sûr, c'est très bien, mais c'est également elle qui avait condamné mon père à rester confiné chez lui. Maintenant qu'on l'a libéré, il a repris la tête de la maison Varley. Je n'aime pas ça du tout, je ne supporterai pas. J'en supplie, vous devez faire quelque chose. On peut le condamner à confinement à nouveau et si nous exilions. Merci. Facile. Facile ou? Et si on le foutait à la benne? Eh ben on le fout à la benne. Allez. Vos désirs font désordre. Et hop. Petit sauna. On va y aller avec Claude, évidemment, histoire de renforcer notre affinité déjà sensuellement proche. Plus de vapeur. Et le problème, c'est que Claude, il crève de chaud, alors que Baylès, elle se les pèle. Pourtant, il est bronzé, alors qu'elle, non. C'est chelou. C'est pas logique. On va mettre plus de vapeur. Tu vas cramer, mais c'est pas grave. Claude a un peu trop chaud, on va juste rester. Claude n'a pas l'air d'apprécier la chaleur. Bon, on va sortir, allez. Ouais, en vrai, Baylès, tu vas te faire du bien. Oh non, Claude. Tant bien les peuples, l'affinité entre les deux unités a augmenté. Baylès se sent bien. Très bien. Je sens mes inquiétudes se dissiper. S'en fout si Claude y crame. Mais j'ai pas eu de bonus du coup. Merde. Bon, c'est pas grave. Alors peut-être que ça ne s'affiche juste pas. On va aller voir Léonie. C'est la bande de Monica, c'est ça, celle qui a refroidi le capitaine Geralt. Ma vengeance sera terrible et l'heure a sonné. Pas question d'y renoncer. Non, soyez tranquille. En fait, j'ai même hâte d'en découdre. Après tout, je me suis entraîné pour ça. Ah mais si, c'est ça. L'effet, c'est là. L'effet pour le sauna, c'est pour l'entraînement. Non, du coup, j'aurais pas dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant. Tant pis. On va aller voir là, et puis... Et puis on va s'arrêter là, je pense. Il y a qui, là? H, bon. Tout le monde connaît la légende de Némésis, le roi de la libération, et voilà que Rhea prétend que Némésis n'était en fait qu'un vulgaire voleur. Ces deux versions sont diamétralement opposées. Laquelle est la bonne? Je ne sais plus quoi penser. Mais c'est sans doute inévitable en l'histoire. Comme les générations futures découvriront-elles la bataille que nous apprêtons à livrer? En effet. Bah, ça dépend de qui gagne. Ça dépend de qui gagne. C'est la première fois qu'il y a un jaune là, c'est quoi ça? Ah mais c'est Judith.
C'est la première fois que je remarque qu'il y a un point jaune. Les engeances que nous allons combattre ne sont pas faites de chair et de sang. C'est le même groupe qui a envoyé les épées de lumière, n'est-ce pas? De simples humains seraient incapables de réaliser cela. Je ne suis pas du genre à reculer devant l'adversité, mais je dois l'admettre que je n'aime pas cela. Hallman. Une organisation mystérieuse s'agitant dans les ténèbres le faux de l'an. Tout cela a l'air tout droit sorti d'un sombre conte. Il semblerait que ces verbines se soient faufilées dans les recoins les plus obscurs de l'Empire. Après la chute de Nambar, ils sont restés confinés. Mais ceci dit, je garderai un œil sur le seigneur Arundel, l'oncle des Dungard. Il y a quelque chose qui me turlupine chez lui. Ben c'est normal, c'est un bâtard. Le cheval, c'est génial. Alors nous allons nous arrêter là pour cet épisode, on va se retrouver dans le prochain pour la suite, je pense qu'on fera le combat rapidement, je passerai peut-être les semaines, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas grand chose ici à faire de plus que le combat, je pense, on a un peu fait le tour, il n'y a plus de soutien, bref, on est bien, on va quand même parler à Marianne. Je pensais que la défaite des Dungard sonnerait la fin de la guerre, mais il n'en est rien. C'est peut-être prématuré, mais j'avoue me sentir légèrement soulagé. D'ailleurs, il faut que je commence à réfléchir à ce que je veux devenir et où je compte aller quand la guerre sera enfin terminée. Pour l'instant, je n'ai la réponse à aucune de ces questions. Mais faisons en sorte que la prochaine bataille mette un terme à ce conflit. Comme ça, on pourra tous passer à autre chose. Ça me va énormément ce que tu es en train de dire, Marianne. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.